même si on est jeune, déjà, il faut savoir qu'il y a tout un entraînement qui vient en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des sauts ou des saltos qui ne sont pas maîtrisés et qui n'ont pas été répétés avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer à l'improviste sur quelque chose qu'on n'a pas travaillé des centaines de fois, je pense, bien des centaines de fois en amont. L'art du déplacement, c'est une discipline sportive dans laquelle on va développer la force physique, la technique, le mental et développer aussi le côté humain, c'est-à-dire tout ce qui est partage, entraide, etc. On va prendre le potentiel de chacun et chercher à le développer. Nous, sur Évry Courcouronnes, on a une grosse association qui est une communauté qui est vieille depuis le début de la pratique. Maintenant, la pratique s'est développée partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y en a, dans tous les pays du monde, même les pays où il y a de la neige, il y a de l'art du déplacement, du parcours ou du freerun. Donc moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi pas Boutigny, sachant que c'est à 30, 25, 30 km d'Évry.